Quand on dit Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, si c'est vraiment une conviction qui sort du cœur, ben wallah, la défaite n'existe pas. Ce n'est même pas une option de nous dire ah, c'est bien, ah, ça serait bien qu'on ait une école, ça serait bien qu'on ait une mosquée, ça serait bien qu'on ait ça. Wallah, ça ne doit pas être une option. Ça doit être la al-muqtadayat, ce que implique notre shahada. Nous, une canette de coca suffit pour nous corrompre. On va en aller là qu'on se pose la question. Ah ouais, bah allez, vas-y, juste une petite canette. Vas-y, bois le sang de tes frères palestiniens qui sont en train de mourir. Wallah, j'arrive toujours pas à comprendre. Je vous dis, billah alaykoum, j'arrive toujours pas à comprendre comment certains ne boycottent pas. Comment ne sont pas. Là, le prophète Isa, toi, c'est l'a dit, il va laisser sa vie. Nous, on ne te demande pas de laisser ta vie. On te demande juste de mettre un peu de plaisir de côté. Et après, on voit, c'est ça, mais on est des consommateurs. On vient à la mosquée juste parce que voilà, il faut venir, parce que c'est une obligation, c'est Jumu'a. Vas-y, dis-nous ce que tu as à dire, après, au revoir. Non. Quand est-ce qu'on va être de véritables musulmans qui vont vraiment prononcer la shahada comme il faut, comme Allah subhanahu wa ta'ala nous l'a ordonné, réellement.